Muriel, I've often said in my letters that I wanted to tell you about my life. Yes. Have you ever wondered? No. You can tell me one day when you want to. Well, you can probably guess a little. It's difficult. I've had 3 love affairs. I don't regret them. On the contrary. If you weren't Anne, I wouldn't believe you. But it is me, and I want you to know. What do you think of Nicola? He seems to be in love with you. I didn't think anything. He was one of them. Who wouldn't have thought it possible? Well, it's perfectly possible. Why are you telling me this tonight, Anne? Because of you and Claude. You've asked him to go to the seaside with you, and he's agreed. I know what that could mean for you both. That's why I must talk to you. Look, Anne, it's late. We're both tired. Let's talk about it tomorrow. No. I've got to tell you. Very well. Do you remember Duker? You met him in London one day. I had an affair with him, too. How could you? Do you blame me very much? No. I'm just listening. Anne, you said 3 men. Who's the third? You know who it is. No. Diorka, Nicola, and... You know. You know. No. I can't say it. Claude. Une fois encore, Muriel venait de trahir son secret, dévoilant en même temps la violence et la force de son amour si longtemps contenu. Anne la raccompagna au Pays de Galles, comme une blessée. Voici la lettre d'adieu que Muriel adressa à Claude. Claude, vous le savez, Anne m'a parlé enfin d'une crainte de me faire mal. J'ai été remplie d'horreur. Maintenant, je suis calme. Je sais qu'Anne vous aime et qu'elle mourra sans changer d'idée. Elle vous a aimé la première. Elle a renoncé sans un mot quand elle nous a vus ensemble en Angleterre. Mon égoïsme m'a empêché de deviner. Elle vous a apporté à moi. Elle a presque réussi à nous fiancer. Si une femme comme Anne ou comme moi se donne à un homme, elle est sa femme. Claude, voudriez-vous avoir 2 femmes et qui soient sœurs? Anne et moi, nous aimons le même homme. C'est tragique, mais pas extraordinaire. Je penserai peut-être à vous toute ma vie. Mais une certaine partie de moi vous a quitté l'autre soir. Dans une heure, je pars pour l'Angleterre. Je vous demande pardon pour notre long baiser. Pour la première fois, Claude fut atteint profondément. Lui qui avait tant fait souffrir découvrait la souffrance à son tour. Il sombra dans le désespoir. Il restait des jours entiers enfermé dans l'obscurité, doutant de tout et même de sa propre identité. Il attendait le sommeil en répétant à voix basse « Je ne suis personne, je n'existe pas, je ne comprends plus rien à la vie ».